James Wilkinson était à la tête d'une armée de 3000 hommes, incluant 300 artilleurs et une centaine de cavaliers. De notre côté, le major Hancock ne disposait que d'environ 180 hommes. Ce soir, on fait une enquête au Fort Blockhaus, qui a été construit en 1781. Malgré sa petite taille, a réussi à traverser de nombreuses guerres. Let's go, Mel, fais assez chouette qu'il n'y a pas d'araignée. Oui, oui. Il y en a plein, mais ils sont tous en petit mort. Ils vont aller se réchauffer sur ton corps. En même temps, on fait un petit peu un défi personnel pour Mélanie. Je sais pas combien de temps je vais tenir. T'es prête, on voit plus rien là. Bonsoir. Moi, je m'appelle Isabelle. Moi, c'est Mélanie. Le général Wilkinson nous a demandé de venir voir s'il restait des soldats ici, dans le bas de la baraque. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ou ce soir? À part moi, Mélanie et Patrick, est-ce qu'il y aurait des généraux ou des soldats de l'armée qui sont encore ici aujourd'hui? You can touch me if you want. Ah, c'est mon petit doigt, il est venu tout frais comme si quelque chose y a touché. If you touch me, can you do it again? I put the device here on the floor. If you're here, you want to communicate, give us a message for your family or friend, just come near the green light here. Another color will show. À ce qui paraît, à une certaine époque, c'était abandonné, puis il y avait des gens qui venaient ici pour essayer de dormir. Puis ça a l'air que c'était impossible, les gens ils s'en allaient parce qu'ils ne pouvaient pas y arriver, le codeur réagit. Ouais, je parlais, c'était fort, là. Ah. Hard. Hard. Ben oui, c'est ce qu'on dit, fort. Oh. On est ici pour essayer de capter des présences. Puis ce serait fort possible qu'il y en ait. Tout ce qu'il y a sur la table, il y a beaucoup d'appareils de détection. Si jamais vous vous approchez d'un de ces appareils-là, il y a des petites lumières qui vont s'allumer. Si vous touchez au box ici, si vous approchez de... La petite boîte noire qui est là, ça va réagir de cette façon-là, puis la même chose avec l'autre boîte noire qui est là. Je sais pas si c'est vous, quelqu'un d'entre vous qui est venu s'approcher de nous autres, parce que l'appareil qui est sur le banc avec moi allumait tantôt. Êtes-vous capable de nous parler? Si vous êtes capable de faire réagir mon appareil qui est là, vous êtes capable de dire des mots. Sabourin. C'est quoi votre nom? Glass. Est-ce que vous nous entendez? Okay. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom?
C'est clair, il n'y a pas d'interférence ici, donc il n'y a pas aucun nom de radio là. On peut deux continuer à s'ajouter tout le temps. Es-tu capable de cogner deux coups? C'est sûr qu'on va capter quelque chose ça. Sûr, sûr. Allô? 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 Pourquoi est-ce que vous étiez dans l'armée? Pourquoi vous faisiez la guerre? Qu'est-ce qui était le plus important pour vous à l'époque? Est-ce que c'était la liberté? Je sais que ça dit. Non plus. Ça. Oui. On est au deuxième étage, dans le fort. Cool.